Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Maman Boulette. Si vous voulez ne rien rater, pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer de bon ? On va préparer un riz basmati à l'autocuiseur. On a besoin de quoi ? 250 g de riz basmati, une poignée d'amandes, une cuillère à café de graines de cumin, une feuille de laurier, 3 clous de girofle, une graine de cardamome, du sel, de l'huile. C'est parti ! On va rincer le riz. Comme si on cherchait de l'or. Alors on fait ça 2-3 fois. Attention à ne pas mettre trop d'eau, l'eau doit dépasser d'une demi-phalange. Un filet d'huile, quelques amandes, ça marche aussi avec des noix de cajou, les graines de cumin, le laurier, la cardamome, les clous de girofle, un petit peu de sel. On couvre dans l'autocuiseur. C'est parti, on n'a plus rien à faire. Et voilà, c'est prêt. Magnifique. Vous savez maintenant comment faire du riz basmati à l'indienne à l'autocuiseur. On va se régaler. Bon appétit et à bientôt.